Le gouvernement de la République du Mali poursuit et intensifie ses mesures de prévention pour minimiser la propagation du Covid-19 dans notre pays. C'est dans cette optique qu'il a initié cette opération de désinfection à travers la protection civile. Presque toute la nuit, cette opération a consisté à pulvériser le marché de Solo Traoré de Midnekura ou Sugunikura avec l'eau de Javel mélangée avec d'autres produits chimiques. Une opération qui a mobilisé 200 éléments de la protection civile, accompagnés de ceux de la police nationale et de l'aménagement. Le marché de Médine fait partie des grands lieux de rassemblement de nos populations pour des activités commerciales. Donc qui dit rassemblement dit risque de contamination. Donc les autorités ont décidé de nettoyer, sinon de désinfecter les grands lieux de rassemblement. Et nous avons commencé par les marchés, en l'occurrence le grand marché, ensuite le marché de Médine. Le ministre des tutelles générales des divisions Salifou Traoré est venu féliciter et encourager ces hommes avant de lancer un appel aux bénéficiaires de cette opération. Juste pour venir soutenir tous les éléments qui sont engagés ce soir pour la désinfection du marché de Médine, qui est quand même un très grand marché, un lieu de très forte concentration. Et comme vous le voyez aussi, tout le monde est engagé dans la lutte contre ce virus. La santé en avant, soutenue par la protection civile, les forces de l'ordre, et tout le monde appuyé par l'aménagement. Justement, beaucoup plus de compréhension. Hein, le couvre-feu, quand on leur dit de respecter les distances, tout ça c'est pour d'abord leur propre bien, et au-delà de leur propre bien, le bien de tout le monde. La dite opération doit toucher tous les grands marchés et lieux de regroupement de la capitale afin de protéger les populations contre cette pandémie.